Quand on m'a prévenu, j'ai cru qu'il s'était trompé. Kate Blanchett, rayonnante, est venue en toute humilité à la cérémonie des Césars 2022. Pourtant, l'actrice australienne était présente pour recevoir le César d'honneur, récompensant l'ensemble de son immense carrière du Seigneur des Anneaux à Blue Jasmine, en passant par l'étrange histoire de Benjamin Button, Aviator ou Carol. Et si elle a assisté à toute la cérémonie très souriante, elle a fini par être rattrapée par l'émotion lorsque son tour est venu de monter sur scène. Isabelle Huppert, avec qui elle est amie depuis qu'elle ont partagé la scène des Bonnes, en 2014, était chargée de lui remettre le prix. L'actrice française, plusieurs fois récompensée, a rendu un bel hommage à l'Australienne, lui expliquant que ta liberté, si est-il ce qui te raconte le mieux. Elle te permet toutes les audaces. Tu peux tout jouer, un homme, un serpent. Tu nous donnes envie de devenir ces personnages que tu interprètes, tu nous inspires ces désirs de liberté. Et après une rétrospective de ses plus beaux rôles, celle qui vit désormais en Angleterre a reçu une superbe ovation lorsqu'elle est montée sur scène pour son discours, l'empêchant de parler. Des applaudissements interminables qu'elle a coupés d'une manière originale. Après avoir répété plusieurs fois « merci beaucoup », elle a tout à coup crié dans les micros « tais-toi », en français.